Alors, vas-y. On a choisi sur iPad un poulet chanceux. Un poulet chanceux. Alors, ça, c'est rigolo, ça. Ce que je vous propose, c'est de me dire une première phrase. En fait, s'il peut dire Bob le poulet chanceux ne se fait jamais. On va écrire Bob le poulet chanceux ne se fait jamais attraper. On va le compter sur les doigts. Bob le poulet chanceux. 6. Ne se fait jamais attraper. 8. Je veux une rime du coup en quoi? En E. Quelles sont les rimes en E mais qui est dans le sens de notre histoire qu'on pourrait mettre dans le refrain? Les courageux. Courageux. Ça c'est génial. Il est bien courageux. Et da 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 da. Et. On avait le mot poulailler. Oh, oh. Alors, je ne sais pas du tout, quand je prends une phrase que je la mets dans la guitare, c'est elle qui ensuite me propose des choses. Je vais vous proposer ça. Vous me dites si ça vous plaît. J'essaye. Bob, le poulet chanceux, ne se fait jamais attraper. Il est bien courageux, c'est le plus gros du poulailler. Parce que peut-être ça va avec ma voix, mais pas avec la vôtre. Je vais vous demander un petit exercice et vous allez vous lever. Bob, le poulet chanceux, ne se fait jamais attraper. Il est bien courageux, c'est le plus gros du poulailler. Alors, vous me proposez une autre métrique, on peut la prendre. Spontanément, vous avez fait, il est bien courageux. C'est parfait pour moi. L'important, c'est qu'on soit d'accord. Fred, il faut que je te dise quelque chose. J'ai passé toute la nuit à me refaire en boucle la chanson. Moi aussi. Ça continue à revenir dans ma tête. Ça continue à tourner dans la tête. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre école Ronald Marion. On est la classe 5e A de Madame Linda. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre création de chanson Bob le poulet chanceux. Il peut les protéger pour qu'ils ne fassent pas des vols.
Notre enseignante de musique. Alors moi je veux bien, mais il faut que je demande à ma femme parce qu'elle va peut-être pas vouloir. Elle peut venir ici en Canada. Ah, elle peut venir ici au Canada, vous êtes d'accord pour que ma femme elle vienne au Canada? Oui.